C'est la suite du tournoi. Ils sont sympas les pressings de Venom. Hein. Mais faut les connaître. Non, non, effectivement. Je sais pas si je te le permets, mais en tout cas, tu vas le faire. Alors, ouais, donc le pressing de Venom. Bah, les pressings de Venom, en fait, c'est des setups où il faut arriver à poser les boules d'abord, donc éviter de se faire presser. Des boules, en fait, oui et non. T'as une manière de les invoquer qui vont les disposer d'une certaine manière, et plus tu en as, plus elles vont se poser d'une manière plus figurée. On va changer la disposition des boules qu'il y a là. Voilà. Et la dernière boule que tu poses te permet de te téléporter, etc. Oui, oui, oui. Et surtout, t'as une physique des boules. Quand tu les poses, tu peux taper dedans. Non. C'est, faut aller voir Azou. Alors, Azou, il est au bar. Ah, oui, non, là. Là, ça va pas bien se passer. C'est le character design de Guilty. Tu vois, juste Johnny. Johnny, c'est censé être une espèce d'hybride cowboy et samouraï. Tu veux pas que j'aille plutôt Tu veux des persos comme Mike, tu veux des persos comme Ramnetal. Alors, il faut qu'on discute un peu ensemble pour meubler, c'est ça? Voilà. Oui, bien sûr. Ah bon? Trash. Ouais. Vas-y, fais tomber la télé, t'as tout compris. Il y a un coup de boule. Vas-y, t'as de la place. Tu viens là en fait. Salut. Salut. C'est alors quel endroit de qui les endroits de plus dur de Guilty. De manière générale, dès qu'ils sont en coin. Ah mais j'ai compris que Guilty, une fois que t'es dans le coin, le pressing, le mukubinisme est assez sale. Dans le sens violent. Il y a des persos qui sont entièrement basés dessus, qui ne peuvent pas faire des gros dégâts et qui ne sont pas efficaces, ouais. Sans que l'adversaire soit vraiment en genre Ramnetal. Ah ouais, ouais. D'accord. Ramnetal, c'est le perso que je déteste. Ah mais alors ça j'ai pas compris. Ça j'ai pas compris en fait le. Qu'est-ce que ça fait en fait? Qu'est-ce que ça change dans le jeu? Il y a un système qui s'appelle le tir. Ouais ouais, ça je connais, ouais. Ça j'ai vu. Ouais mais. Il y a un pourcentage random qui fait que tu vas à la fin de ce tour. Bah alors comme. Ouais, le truc c'est random, quoi. C'est random,
Ouais. Et c'était une journée de là. Bonne année, donne un nouveau trésor. En gros, t'as deux fois plus vite. C'est bien ça. C'est débile. Et tu fais 20% de dégâts. Ouais, d'où le fait que ça s'appelle danger. En mars, ça colle bien. C'est très random. C'est pas contrôlable. Ouais, mais c'est. En fait, c'est dommage que ce soit random quoi. Même sans random, je vois pas l'intérêt. Dans le but, je vois pas l'intérêt. Bah, je sais pas. C'est juste pour être là et ah oui, bah ça a l'air de mettre de l'hype. Bah, à partir du moment où où tu mets plus de hitsun sur une phase, forcément qu'il y aura l'hype. La question c'est, faut quand même que que ça soit déclenché. Le déclenchement, c'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Mais il y a bien un truc qui le fait. Je veux dire, il y a bien les un clash. Événement, je veux dire. Que les clashs. Et les clashs. Non, mais les clashs, voilà, c'est ça. Bah non, puisque c'est les deux, c'est les adversaires qui permettent ça. Bah oui, il faut qu'ils se décident entre eux. Ah bah oui, ça c'est sûr, oui. C'est pas quelque chose que tu peux faire impactivement. C'est pas quelque chose qui est contrôlable dans le jeu. Ouais. C'est le vrai problème que je fais avec Alien Vermont. Et même, en dehors de ça, un mode pendant 10 secondes. En fait, je pense que le problème, enfin après, je sais pas si c'est vraiment un problème, c'est le côté random quoi. Le fait qu'il y ait un clash, moi perso, je trouve ça stylé parce que je me dis. Des random, ça. Voilà. Les objets de pause, c'est un random contrôlable. Ouais. Des joueurs comme Nagui, ils non, mais voilà, à partir de. Oui, voilà, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Ouais. C'est ce genre de choses. C'est pas le dodge en mode, c'est ni contrôlable, ouais. Ni efficace, ni dans la dynamique de l'ultime. Bah. C'est juste là pour être là. Après, ça a mis une petite, une petite pression, c'est ouais. Une petite tension qui se crée aussi bien pour le joueur que pour le spectateur, mais ouais, c'est peut-être. L'idée c'est que même sur une situation de clash, un des joueurs est censé avoir un avantage. Et avant, un des joueurs va toujours avoir un avantage. Parce que si pendant le danger mode t'es plus proche du point que moi, ouais. T'es plus chiant. D'accord. Parce que un Mortal Kombat et j'ai tout le temps de la terre pour combo. D'accord, je vois l'idée. Bah après tout le hitstun et compagnie, bref, oui. C'est. Non le truc c'est que Guilty est bourré de choses qui font que genre à la fin d'une vie t'as plus de dégâts. Ah oui mais. Si tu fais bourrer la garde parce qu'il n'y a pas une barre de garde. La barre de risque et la barre de risque ne marchent pas de la même manière que la barre de garde. Mm-hmm. La barre de risque c'est la petite barre rose que vous voyez ouais, ouais. Les persos. Ça ne marche pas de la même manière. Et rien que ça, si on augmente la barre de risque, ça, si on a plus de barre de risque, il y a tellement de choses déjà qui. Ah, il y a une espèce d'histoire de dommage réduit en fonction ouais, de cette barre quoi. En fonction de la barre de vie, en gros, la fin de la barre de vie c'est censé être quelque chose comme 30% ouais. De la barre de vie totale. C'est pas ce qui est indiqué en fait. Oh là là, il a fait tellement mal là, le Johnny. C'est Johnny. Oh là 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 là. Johnny, alors il y a dans la commu. Pardon. Il y a une il y a une vanne qui a été faite autour de Johnny et des persos comme Léo ou tout ça. Ouais. Ils les considèrent comme des gorilles. Pourquoi ? Ils vont très mal, ils vont très très vite. Ah d'accord. Et donc dès qu'il y a un Johnny en train de faire une pression dans le coin, en train de faire extrêmement mal à l'adversaire, tout le monde gueule derrière Onga 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 Onga. D'accord. Parce que c'est le cri du gorille. D'accord, je vois. Et vous voyez beaucoup de stream américains ou même stream européens. Moi ce que j'aimais bien c'était les. C'est les mecs qui jouent à. Comment il s'appelle ? Potemkin. Ouais. Potemkin, c'est. Moi je trouve ça stylé. J'avais vu une vidéo sur Twitter ou sur YouTube d'un. C'est probablement Fab. Ouais, ça, je pense que c'est lui, ouais. Ouais. C'est. Je sais pas, Potemkin, c'est un perso qui est intéressant. Du Guilty Gear ? Oui. Guilty Gear. Ah. Oh. Oh. Ah. War Bandit contre Joe Higashi. Je sais. Je sais que Joe joue Soul et que Joe est. Quand il joue Soul, et c'est. Soul. Ouais, est-ce qu'il y a un nom Ah oui, à la limite, oui. Comme Rémi Fa Sol en fait. Oui, aussi, oui. Oui. Ouais. Des références. Tout à fait. Ouais, le. Joe Higashi, si je me trompe pas, c'est un ancien de Guilty Gear, mais vraiment. C'est tout. Allez, c'est tout.
Mais qui a dit que je critiquais? Il est vexé. Mais je n'ai rien fait. Il est vexé. Mais cet homme est susceptible. La susceptibilité. Mais il fallait le dire. Ah bah moi je joue. J'ai joué, tu m'as dit ça va et après tu t'es tu. Et je m'attendais en fait, à plusieurs parties. Non, non, je dis des bêtises. Je dis des bêtises, c'est un chip, c'est pas un soul. Ah oui, c'est ça change chip. Tout. C'est un chip, c'est un ninja. Ah moi j'aime bien Chip. Skip, je connais. Skip, je connais le matchup, mais non en fait je connais pas le matchup. Ah moi j'aime bien Chip dans le sens où ça bouge beaucoup. Non, alors tu veux peut-être prendre le micro. D'accord, pas trop. Eh bien je vais garder le micro. C'est ça le truc avec Chip. C'est ça le truc avec Chip aussi. On va vous passer un joueur de Guilty qui va faire ça infiniment. Salut à tous, c'est Bailu. Je vais t'assister alors. Ouais. Je vais t'assister. Ouais, assieds-toi là. Assieds-toi là et regarde l'écran derrière. Ouais. Ok, donc là on a un match Sin contre Chip. Donc pour savoir, Sin il est super bien classé. Hein, et Chip c'est le perso qui prend un petit peu comme Dalsim, hein, qui prend 100% avec tous les persos. Donc voilà, donc on a la rapidité contre la force. Donc le but de Chip c'est pas de se faire attraper. Donc Chip, la particularité c'est qu'il peut disparaître, s'accrocher sur les murs. Un problème avec le coup ? Un vrai ninja, lancer du kunai, des étoiles. Je t'en fais parler pour rien. Magnifique. Donc là pour l'instant on a Togashi qui prend le premier match. Donc il presse. Tu disais qu'il n'y avait pas de vie. Le Sin qu'attend en sachant qu'en un combo il peut rattraper tout ce que Togashi lui enlève. Il y a tout ce système de barre de fin aussi. Ouais, c'est ça, voilà. Donc maintenant dans le nouveau Guilty il y a les systèmes de barre de Yellow RC comme on l'appelait avant, c'était RC. Donc faut savoir que Yellow RC peut canceller tous les coups, les sauts. Je sais pas si chaque Guilty qui change le système des Roman Cancel. En fait, à partir du Guilty XRD, ils ont changé le système de Roman Cancel pour que ça soit plus facile. Ouais. Beaucoup de gens en fait assimilent le YRC avec la focus de Street Fighter. Non, en fait, on peut assimiler le Blitz avec la focus. Le truc, c'est que le Blitz quand c'est un coup, mais je parlais plus de du FADC plutôt que Sauf que ce FADC là, il est 10 fois plus puissant. Quoi. Bien sûr. Voilà. Et il est 10 fois moins craqué que Street Fighter. Ouais. Street Fighter, il n'y avait pas de barre. Non. Mais Street Fighter consommait deux barres, elle consommait qu'une seule, mais elle est justifiée. Tu vois. Ouais, et derrière, t'as un système différent. Le YRC, c'est pas quand tu fais le combo. Non. Le RRC, donc le Red Roman Cancel, tu fais pendant le combo. C'est ça, et il utilise la moitié de la barre de tension. Il utilise la moitié de la barre de tension. Et la barre de fin, ouais, voilà. Il a besoin de bouffer, Sin. Alors, Sin, ouais, Sin est un perso très très puissant. Regarde, tu vois la barre qui est en. En fait, ce qui fait sa puissance, c'est qu'il peut reprendre, il peut faire un gros combo de n'importe quel coup. Que ce soit un punch, un kick, un anti-air, ça enlève vraiment la barre. Certains de ses coups spéciaux consomment sa barre de fin. Donc pour l'instant, le Sin se fait presser en sachant qu'il a un dragon. Mm. Donc c'est vraiment que le Sin ne veut pas l'utiliser. C'est juste pour lui rappeler. Et c'est moi où il bouffe vraiment plus que la plupart des Sins que j'ai pu regarder sur net ou autre. Je vois la barre de fin. La barre de fin est vraiment haute par rapport à la moyenne. Non, généralement, elle est à quoi ? À 60% ? Les gens aiment bien être vraiment quasiment à la fin de la barre de vraiment, fin. Ils ont vraiment, vraiment, vraiment pas besoin. S'il y a des combos où t'as vraiment. Des fois, t'as pas trop besoin de la barre de fin. C'est vraiment du frame trap, attraper la personne. Par exemple, à partir d'un coup comme ça, elle a l'air de faire dragon à la relever et continuer un combo. C'est comme à l'époque de. C'est l'époque de Dogura. Je sais même pas qui joue maintenant. Je sais que Dogura, il bouffait quasiment pas. Il bouffait quelque chose comme une fois par ronde. Ouais, et ça lui suffisait en fait. Oui, mais ça. Ah là là. Dogura était un peu craqué avec lui. Si, il se téléporte. Il se téléporte devant, tout le temps. Devant, derrière, au-dessus. Devant, derrière, et en bas, devant, derrière. Ça lui choisit. Parce que normalement c'est probablement dans le match-up. Voilà, vraiment pas match-up. S'il fait dragon ou s'il fait HS bien suspé, généralement il peut se manger vraiment un gros combo. Donc il joue le match-up en fait. Ouais, donc en fait le Sin, je pense que comme Togashi qui joue Chip sait que le Sin connaît pas vraiment toutes les mind games, donc il se permet des choses qui normalement on devrait pas se faire. J'aime bien le burst, genre dégage de là au tout début de round. Il se permet vraiment des choses que normalement on ne devrait pas faire. Ouais. Là c'est la rapidité contre la force. En fait si le Sin l'attrape bien c'est fini. Mais par contre. Le truc c'est que Sin a vraiment pas beaucoup de vie. Quoi. C'est un peu le bookie hein. C'est. Ouais. C'est ça. En fait pour concrètement regarder les choses, depuis tout à l'heure c'est le.
c'est le chip qui tape et regardez la barre de vie. Ouais. Celui qu'on a le moins, c'est chip. C'est clair. Alors que Sin ne fait que donner des coups, il a fait aucun combo pour l'instant. Il a pas besoin, ce qu'il a besoin de faire, c'est de toucher. Donc, imaginez un combo qui passe. Dès qu'il touche, c'est 40%. Non mais là, à ce moment-là, dès qu'il touche, c'est mort. Hein. C'est la mort. Là, tu vois, là, il aurait pu punir s'il le savait. C'est les combos, c'est les combos dust sans avoir besoin de dust. Tu vois. Pourquoi le burst là? Non, je te... Pourquoi le burst fin, parce qu'en fait son coup n'était pas safe. D'accord. Donc derrière il allait se faire punir, donc il a bursté. Non, il était en haut. Bah parce qu'en fait il pensait lui casser le combo, sauf qu'il y a des coups dans Guilty, tu peux pas burster dans les airs. Faut le laisser taper, t'es obligé. Parce que c'est échec et mat, sinon le mec retombe et. Ouais. Ah, c'est ça. Et c'est un burst bait. C'est ça, c'est un burst bait quoi. C'est... Mm. Ouais. Ah, c'est un... Oh bordel. Non, faut pas bourrer comme des salauds. Ah, faut vraiment réfléchir. Guilty, je me dis, c'est des mecs qui font des setups. Et si jamais, à la limite, il y a des persos comme Axel ou les mecs, tu approches pas n'importe comment quoi. Ouais. Sinon, en tant que spectateur, vu que je connais pas le jeu, c'est des mecs qui font des setups et ils tapent. Et si t'as pas la garde, bah tu pètes un câble. Le mot principal pour moi pour Guilty Gear, le mot qu'on utilise tout le temps, c'est Okizeme. Ouais, Okizeme, ouais. Alors, c'est le ça, c'est mot parce que c'est la chose qui définit Guilty Gear. Bah après comme tu dis il y a des persos qui sont rentables. Ouais. Comme Slayer, Johnny, Sin, ça c'est des persos où tu peux bourrer et si ça passe, t'enlèves la moitié de la barre du mec. Parce que Slayer est moins basé sur Okizeme qu'il est vraiment basé sur Neutral. C'est vraiment la patate quoi. Dès que tu fais un coup and safe, le boulot de Slayer c'est de te punir dès que tu fais des coups and safe. Et la punition elle fait très très mal. Très très mal. Il y a des persos comme ça, il y a Potem, il y a lui, il y a Sin un peu. Potem, Slayer, Johnny. Il y a Sin un peu. Sin. Potem, Slayer, Johnny et Sin. Ouais, vraiment plus des persos basés sur le neutral que basés vraiment sur Loki. Ça, c'est les persos qui ont vraiment des gros combos. C'est les persos en fait, t'as vraiment pas besoin de trop de réfléchir. Et derrière. Le mec il a pas sa garde, boum. Et derrière, t'as des persos comme Milia, tu vois. Ouais, Milia, bon, pur Loki. Pur. Ses mouvements, ses coups ont été designés pour Loki. C'est toujours. Tu mets à terre, au wake-up de ton adversaire, tu mets ton cercle. Ouais, mais en fait. Le truc, c'est qu'en fonction de ce que fait l'adversaire, il va pas du tout faire la même chose. Et vu que c'est Guilty. Et vu que c'est Guilty, Guilty est très très libre au niveau de ses combos, tu vois. Ouais. Et tu peux faire énormément de choses. C'est très très artistique, Guilty. Très très beau à regarder. Les combos vidéo de Guilty, c'est du pur art. Skullgirls a son style aussi. Alors c'est quoi là? C'est demi-finale? Loser? Finale loser? Non, demi-finale loser. Il est en demi là? On a quelle phase de tournoi? Finale loser. On a quelle phase de tournoi? Ah très bien, on a un chanteur professionnel de l'autre côté de la salle. Bienvenue au Reset, bienvenue à la bande classique de Rock Band. Rock Band, elle a du succès je crois. Ah, heureusement là, à ce moment là, il faut pas la même chanson en boucle, donc tout va bien tu vois. Donc Joey Gashi, Baiku, c'est les bienfaits de l'alcool apparemment. Apparemment. Joey Gashi qui va jouer Chip, Baiku qui va jouer d'après Venom. Donc il rejoue juste après. C'est la loser. Ah, il est en loser Joe. Il est éliminé par qui? Oh. Ok. Donc okay. Voilà un classique hein, des anciens joueurs de Guilty, ouais. du premier ordre. Vous avez joué depuis Reload ou avant? Je pense que Joe a joué avant et Venom. Bah écoute, je crois que c'est Reload, ouais. Les vrais. Les numéros 1. Personne va prendre des risques et. Chief à l'époque il était pas très fort. Personne va prendre des risques et sortir une Dizzy. Personne. Dizzy. Elle est dure. C'est ça le truc avec Guilty, c'est que il y a beaucoup plus de caractère loyaliste dans la communauté de Guilty que dans la communauté de John Bull Baston. Parce que le jeu. C'est le truc, c'est que le jeu est tellement. Tout de suite level up qui pose ses boules, hop, petit pressing de fil. Je peux le dire après. Voilà, ça zoupe bien en l'air. Petit combo 4-8.
Là, il cherche, non, il cherche à le mettre au coin. Il cherche voilà, à l'embrouiller de, devant, derrière. Le jeu. C'est les portes. Voilà, avec des kunai. Voilà, pour l'instant. Comment se passe le match-up en fait ça se zoom. Ça zoom en l'air. Comment ça se passe le match-up? C'est un match-up assez facile pour. Pas facile, mais pour Chip. Il doit pouvoir s'en sortir assez facilement. Parce que le truc, c'est que Venom, s'il arrive à zoner, Chip ne faut pas qu'il saute sur les boules. Quoi. Non, mais là, les téléportes, il va faire ça. Le match-up va bien, ouais. Bien l'aider. Comment ça va se passer? Bah moi je pensais qu'il allait poser ça comme des mines quoi. Chip est tellement rapide qu'en fait il faut quand même s'en sortir. Après pour Chip, Venom est pas doux, donc par terre Chip est un dragon très bon. Juste hein, les... Je vais pas embrouiller comme ça, hein. C'est pas les hitbox des boules sont actives uniquement sur des traces. Elles sont surtout actives sur qu'il allait poser. Ah Chip est tellement rapide. Et le dégât, dedans, hein. Le dégât est plus que le coup auquel tu as tapé est fort. Et plus la balle a plus mal. Si tu tapes avec un punch, ça fait pas mal. Les dégâts du punch. Tu tapes avec un vistage. Si tu tapes avec un vistage, les dégâts du vistage. Donc s'il envoie 3 boules dans les vestages, je veux dire que la barre elle est gomme. À la première round pour le chip, non pour le Venom pardon. 2S Singer Aim tout de suite. En gambit d'ouverture, petit pressing slash. Voilà, double score, petit pressing, voilà. Le chip qui s'enfuit, il se prend un 6-6. Moi il attend, j'aime bien la patience. Voilà, la barre déjà qui s'est envolée sur deux petites touches là. Vraiment, enfin surtout quand on gagne pour ta garde, faut vraiment avoir de la patience. Le Venom qui gère très très bien la distance pour l'instant. À base de pressing après. Il est sorti du coin. Il est sorti du coin. Voilà. Il aurait pas dû. Ouais. Là, le chip qui est un il est revenu dans le coin. Le burst raté. Complètement raté. Voilà, et là, ça, le chip il arrive pas à trouver l'ouverture mal, hein. Pour l'instant. Ouais, là c'est la mort. Et c'est chopé. Il va être chaud. Ah, c'est pas la mort là. Il a raté, mais c'est pas grave. C'est petit pressing. Il est revenu. C'est pas comme ça. Ok, d'accord. En fait, il a voulu improviser quelque chose. Bah, si le chip teke pas, ça se tentait honnêtement. Voilà. Ouais. Une boule de l'autre bout de l'écran. Ah non, mais c'est ce qu'il faut faire, faut zoner. Hein. C'est Venom. Hein. Il a très bien géré. Ouais, ouais. Les joueurs se connaissent très bien. C'est le match-up. Si le truc t'équipe pas, ça se tentait honnêtement. Ouais. Ah non, mais c'est ce qu'il faut faire, faut zoner. C'est Venom. Ouais. Jump Dusk qui touche au counter. Téléporte au-dessus. Porte HS, voilà, petit pressing, combo balayette. Ouais, dégage de là. Hein. Bien joué le burst de Baiku là qui. Et il en profite pas pour faire du coin en fait. Petit 2H qui touche, combo en l'air. Voilà, Venom qui zone toujours bien avec ses boules. Trop bien. Les bonnes formations. C'est un peu perso. Pressing le chip. Et le Venom connaît très très bien les pressings, donc il arrive à s'en sortir à chaque fois. Voilà, petit combo 3. Il a trouvé un high là. J'ai pas vu. Je sais pas comment il a ouvert la garde là. Ah bah il a touché. Le dust ah, il pas. A lâché la garde c'est parce qu'il voulait couper derrière. Le burst. Ah bien joué, John Dust qui touche. Petit combo. 5 hits. Ouais. Le combo, ah là c'est la phase ambiguë. C'est la phase ambiguë de shield. Bien joué la petite shot. Embrouille devant derrière. Ouais, ouais. Bien joué ça le petit. Ouais, il voulait faire téléport mais il est resté devant. Ouais, ça c'est malin. C'est vraiment malin. Ouais, il y a un round pour Joe. Un round pour Joe Higashi là. Ouais. Et un match pour Venom pour l'instant pour Baiku. Ouais, c'est un match pour Baiku. Il y a 1-0 pour Baiku, hein, je le rappelle. Il y a ce petit pressing de kick là. Voilà. Sushi. C'est Air Shop, bien joué ça. Ouais, il est tranquille pour l'instant le Venom, il gère son match tranquillement. 1-0 pour Baiku. Oh, bien joué cette phase de step RC là. Le burst complètement. Ah, burst raté. Là, c'est deux bursts, ça va être deux bursts hein. Surtout, pour l'instant. Surtout que les bursts ne se récupèrent pas après le deuxième round. Ouais, non, là, c'est si tu le mets un peu plus tard en fait. Ouais. Donc si tu rates le burst. Le truc, c'est que une des solutions qu'il a à faire, c'est soit comeback, soit essayer de temporiser au maximum le round pour récupérer un maximum de bursts ouais, avant ça. Qu'il meure. C'est stratégique. Avec la nouvelle Fury en bursts, tu viens rajouter. Ouais. C'est très très stratégique. Ouais. Soit tu décides de claquer dès que parce que j'imagine que la Fury en burst tu peux la claquer uniquement que si t'as le burst. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais il y en a qui sont vraiment de rentables, donc ouais. C'est vrai que c'est. Voilà. Soit tu choisis de pas burster. Moi j'ai vu les dégâts. J'ai vu les dégâts de ma main, j'ai vu les dégâts d'Ino sur son truc normal. C'est assez fou. Petit chop trouvé. Voilà, ah, le burst au pif, ce burst. Il s'est chopé, bien joué. Dommage. Siska, YRC, bien joué. Il a essayé, il a essayé de casser le timing. Un destroy, ouais, il a essayé de casser le timing. C'est aussi ça, c'est l'intérêt des YRC, c'est que tu casses le timing de Siska. Il y a comme ça, il y a super jump derrière. Bien joué, le Stinger qui passe. Il y a super prise. Ça va faire très mal. C'est la mort. C'est la mort, bien joué. Il a essayé de casser le timing. 2-0 pour Baiku. GG Baiku. C'est aussi ça, bravo. De voir si tu as comme ça. Prochain match, il y a super prise. Ça va faire très mal. C'est pas ça. Salut au chat d'ailleurs. Pas nuage. S'ils m'entendent, parce qu'apparemment il y a des problèmes de micro. Bravo.
On dit bonsoir. Peut-être remonter les braquettes. On dit bonsoir. Nuage, on dit bonsoir et on répond bonsoir parce qu'on est poli. Qu'on ne présente plus non plus. Grand joueur de mail devant l'éternel qui a switché pour Sine, là, la craquance. On dit bonsoir. Peut-être remonter les braquettes. On dit bonsoir. Bonsoir et on répond bonsoir parce qu'on est poli. On n'est pas encore très en synchro. Ouais, désolé. Ça va venir. Ouais. Qui a switché pour. Excuse-moi. Pour Sine, là, la craquance. C'est, voilà. C'est quelle phase là de tournoi? On est toujours dans les losers pour l'instant. Losers demi. Bonsoir et on répond bonsoir parce qu'on est poli. On San contre Nuage. Contre Nuage. Donc on va voir un Sine apparemment. Un avec Sine. Nuage et on va voir un Kai apparemment avec Kai San. Ou Ino, je sais pas qui va prendre. Non. Il avait une jam derrière, mais je pense pas qu'il va sortir sa jam. Je pense qu'il va sécuriser. Il joue tout le roster de toute façon. Il a raison, il commence le jeu. Ouais, mais San, le joueur qui m'a éliminé, Tristounet. Qui va-t-il nous sortir? Il va probablement sortir un Kai. Ce sera Kai, la Kai. Ouais, donc perd contre fils. Un perso complètement présent. Ouais, garantie. Hein. Overall complet. Ouais. Il fait tous les versus. C'est Ryu, hein. C'est juste Ryu. Très carré comme perso. Il peut poser problème à tout le monde. C'est conseillé, ouais. Non, c'est Guilty, c'est le seul perso, c'est le seul jeu en fait où Ken est le héros. En fait. C'est Ken qui est le héros et pas Ryu. Nuage est joueur 1. Ouais. Battle check ou ça commence tout de suite là? Allez, premier match, c'est parti. Apparemment, ça peut être parti. Dans ce stage qui est sublime, rappelons-le. C'est tout le nouveau stage après Révélateur. Voilà, la version Révélateur. De Venom, de Slayer, pardon. Non, ça c'est le stage de Kai. Et de Slayer aussi. Ah, c'est ça, Slayer. Allez, c'est parti, petit combo. Ça mange. Ça fait bien mal déjà. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, avec Sine, ça va très très vite les dégâts. Un petit big, une petite glissade et c'est terminé, un petit bull drive. Tu vois ce coup là qui fait entière et qui fait entière. Bien joué ça, le petit combo avec la mise au sol. T'es au sol, tu te manges, t'es en l'air, tu te manges. Ils l'ont nerfé, ils l'ont bien nerfé. Ah oui, ils l'ont fait. Mais il est présent perso. Hein. Ils ont nerfé ses dégâts, ses coups, ses recoveries, ils ont un peu tout nerfé. Ouais. Les joueurs de Sine resteront sur Sine, c'est Guilty. Et voilà, Guilty, tout le monde peut gagner avec tout le monde. C'est ça qui est bien. Ouais. Mais faut grave taffer, voilà. Alors, 10. Dis ça aux joueurs de Potem. Voilà, même un Potem il peut gagner des tournois. Il peut. Et il faudra qu'il soit très fort. Donc il s'appelle Fab. Voilà, si il s'appelle Fab. Allez, c'est parti, petit pressing, le burst bien trouvé pour s'échapper du combo. Le big qui touche. Avec un fond FIFA 98, un très grand jeu. Très craqué. Très craqué. Ah, j'avoue. Un petit combo avec la boule, bien joué la furie, ça fait très très mal. Aïe aïe aïe. Bien joué ça. Ah, il rate le damage, c'est dommage. Mais je pense pas qu'il aurait tué après la fin du combo. Peut-être, mais. Ouais. Le damage réduit c'était trop gros. Allez, le premier match trouvé par Nuage. C'est les combos dust ça. Ouais, c'est les combos dust. Ça gratte. Ouais. Allez, deuxième match, Nuage qui gère complètement pour l'instant. Petit dust trouvé. Le dust. Le classico. J'adore le dust run. J'adore le dust run. C'est vraiment un super truc qu'ils ont rajouté dans Révélateur. Allez, petit. Ah, ça voulait refaire un dust, le Grey Saver qui passe pas. Ouais. Bien gardé, de vrai, combo punition. Très très bien joué ça, de la part de Nuage. Pour l'instant qu'il maîtrise son sujet. Grey Saver au pif qui passe. Ouais, ça passe tout le temps. Ça passe tout le temps, surtout sur le live, mais là on n'est pas sur le live. Oh, le dust qui touche. Il rate le combo, bien joué, le dragon pour punir. J'aime bien la boule en multi. Bien joué ça, le combo après le 6H counter. Ouais. Et, ouais, la furie, bien joué ça. Ça va gratter un max. Bon boulot, ça. Qui bon gère boulot très bien pour l'instant le match-up. Bon boulot de Nuage. Assez équilibré, même si bon. Sine peut quand même bien faire chier avec son allonge Kai. Ouais, et les glissades. Ah, bien joué le counter. Ah, bien joué Reset avec le 6P. Voilà, le taf. Beaucoup vont trouver avec la moitié de vie qui part là, direct sur un anti-air. C'est Sine. Sine a sûrement le meilleur backdash du jeu en effet. La chop est retrouvée, bien joué. Avec le combo qui va avec. Bien joué le stun, c'est fini. Mais c'est fini. Match remporté haut la main par Nuage. Ouais, on voyait clairement le niveau. Mais le truc, sans fioriture. C'est Guilty Gear. Hein. La différence qu'il y a entre les joueurs qui commencent et les joueurs
vraiment le jeu tape un sacré bout de temps. Ça se voit tout de suite, ça se voit très 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 cruel. Ça se voit tout de suite. Il est très populaire en fait. Il y a énormément d'étapes. Mais en fait, il a jamais changé. Il est haut dans la tier list, j'imagine, ce perso. Et il a jamais changé de place entre Sign et Révélator, j'imagine. Ouais. Ah, il est remonté un peu dans celui-là. Ah, encore plus, d'accord, ok. Un petit peu, ouais. Il a des meilleurs normaux. Ouais. Il a des meilleurs YRC aussi qu'avant. Ah, mais il est assez polyvalent, j'ai l'impression, ce perso. Ouais, clairement. À mon cas, il peut tuer tout le monde. Conseillé pour les débutants, en fait. Il est très carré. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est un des personnages conseillés quand tu veux commencer un peu. Voilà. Voilà. Surtout que après son Dust, en fait, il y a un Dust où il pose un cristal. Le prochain match, après son cristal, il peut poser il peut mettre sa un classico encore. Et ça va donner un beam. Donc tu peux vraiment presser le gars. Là, de ça, va être, ça va être sportif pas ce match. Juste avec une boule. Ouais. Très très offense contre très très défense. Très très defense, censé être Venom. Venom, ouais, il a une bonne capacité à défendre et Nuage a une bonne capacité à attaquer. Donc ça va être très intéressant de voir qui va l'emporter dans ce. Il y a des choses à voir là-dessus. Et puis alors le truc c'est que j'ai pas envie de dire que c'est pas un match-up que je vois souvent, mais c'est pas faux dans le sens où les Venom c'est pas spécialement populaire. Voilà, y a pas énormément de Venom, donc les Sin t'en vois plein, mais Sin ouais, on va partout. Ouais, c'est des Sin. Un perso assez rentable. Voilà, bien joué le Burst pour s'en sortir. Le 6P, le Dust qui touche pas. Ah, trop gourmand. Ouais, ouais, je pensais pas que ça bien joué là. Thomas Struggle qui passe, hop, tac, petit combo. Avec la formation de boule, bien joué. Il trouve le combo YRC. Petit combo, voilà, ça va faire mal. Ah, c'est tellement stylé. Voilà, c'est magnifique ce petit combo. Ouais, bien joué. Venom, il vend du rêve quand je vois ce genre de combo. Venom, c'est un perso très technique. C'est stylé des jeux de baston, en général. Venom, c'est la classe totale. Ouais, c'est la classe. C'est la classe. C'est juste la classe. Un joueur de billard, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? C'est pas Venom qui a reçu un énorme buff au niveau de sa tension sur un point de Venom, il a été buffé dans cette mise à jour. Ouais. Genre, il reçoit beaucoup plus de tension qu'un normal. C'est pas impossible. Voilà, bien joué le Just Defend pour s'en sortir du pressing, mais il mange un petit air combo après. Voilà, là il galère un peu, Nuage. Il va avoir quelques problèmes d'exécution là, mais c'est dommage. Parce il tombe sur toutes les boules que balance Baiku en fait. Bien joué le petit combo. Ouais. Il rate l'air shop, c'est dommage. Il se fait punir immédiatement par Baiku. Ah, il fallait user le burst, hein. Bah, c'est un très bon choix. Bien joué le backdash. Ah, il se fait rattraper par une boule. Bien joué 1-0 pour Baiku. C'est pas aussi à sens unique que ce que je pensais. Il y a des choses qui ont été lancées par Nuage. Disons qu'avec le beak, il peut faire chier, il peut traverser les boules de Venom, donc à bonne distance. Et là, le problème, c'est qu'il est trop aérien en fait. Avec son. Il saute trop. Et Venom, c'est gratuit pour lui. Voilà, il est trop en l'air alors que Sylph, il faut le jouer au ras du sol. Il y a énormément d'entières, Venom. C'est vraiment le perso entier. Ouais. Donc il serait positif contre des persos comme Chip ou comme Ino. Parce que Ino a besoin d'être énormément en l'air. Ouais, mais Sin, il n'a pas besoin d'être en l'air. Ouais. Sin, son jeu, il est au ras du sol. Ouais, Sin est un jeu. Avec des glissades, les beaks. C'est vraiment un jeu de grande. C'est vraiment un jeu au sol, un jeu de neutral. Ouais. Le 7 après. Donc, tu t'aimais, j'adore ce jeu. Ouais. J'adore ce jeu. Quand je vois ce genre de passe dans le coin, je. Ah, voilà. Bien joué sur ce petit combo. Ça a raté, c'est dommage. Non, ça gratte pas. Bah oui, la faute laisse, forcément. Voilà, on peut pas gratter dans le jeu. Ouais. Bah, en faute laisse. Important de le dire. Mais après on perd de la tension, donc c'est un choix également, soit on se fait pas gratter, soit on garde sa tension pour les Furies. Ouais. Non, tout c'est est très stratégique, surtout au niveau de la tension. C'est énormément stratégique. On gagne beaucoup de tension en tâchant. Exactement. Pas en faisant des coups, mais vraiment en tâchant et en faisant des coups. Donc, en avançant. Le jeu est vraiment porté sur l'enfance. Ils essaient de faire en sorte. Mais tous les persos ne gagnent pas autant de tension en courant que certains. Ça dépend en fait. Ça dépend des persos. C'est burst raté de la part de. Ah ouais, burst raté. La part de Nuage, voilà. Petit deuxième des dangle pour sortir du pressing. Ouais. Le tic trop raté, c'est cramé par Baiku. Oh là là, bien joué, c'est bien gardé. Il garde. Il a tenté de faire la même chose. Il a raté le. Ah, la chope s'est trouvée. Bien joué. Ouais. C'est la chose à faire. Petit destroy pour mourir tranquillement. Tu connaissais. Bien joué. Tu connaissais pas l'instant kill. Voilà, chope, chope destroy. Tu connaissais pas l'instant kill. Pour le guac, comme on dit chez nous. Vous mangez. Victoire de Vax 2-0 sans. Vous regardez jusqu'au bout. Mais si tu as regardé depuis 1000 fois. Ensuite, nous allons avoir. Peut-être Baiku. Moi, c'est l'ultimate. L'ultimate aurait pu être comme ça. Contre Joe Higashi. Non. C'est
genre de truc qui apporte pas forcément beaucoup en termes de gameplay, mais qui est super stylé à regarder. Après là, pour le coup, c'est un one shot si j'ai bien compris. Ouais, c'est un one shot, peu importe la barre de vie de l'adversaire. On attend c'est un Fatal KO dans Okuto no Ken, ton machin. Fatal KO et un instant kill. Ah ouais, pas très bien. Faut pas oublier, c'est aussi un jeu d'Arc System. Le géant Okuto no Ken. Ah, Yama, c'est bien ton écran. Après, c'est peut-être tes doigts, je sais pas. Alors, soit c'est peut-être ta manette, soit c'est la console. Mais c'est bizarre. Hein. Ça commence à sortir des excuses. Ouais, évidemment, évidemment. Mais vous pouvez faire du freeplay sinon. Mais non. Le, tu devrais pas. Tu devrais pas. En face, c'est pas écrit. Il y a pas mal de légendes hein, sur Baku, c'est vrai. Des beat by Infinity Stonefest. Il y a beaucoup de choses à dire. Livré. Oui. Destroy sur le main stage. Bah, écoute, Destroyed sur un écran géant. Rediffusé en stream, c'est beau. C'est beau. On se rappellera de ce Cannes aussi. Cannes, ouais, des grands moments. Comment on est là ? J'ai aucune idée. C'est pour moi qui vais dire. C'est vrai. L'époque du Vaccine Core, une très belle époque. Qui joue Raven en fait, là, récemment. Ah oui, mais attends. Il y a pas de mauvais Raven en fait, je crois. Ça n'existe pas. J'ai un peu disparu. En fait. Il joue Raven aussi. Oui, c'est vrai. Kazunoko a été en top censé jouer contre de l'Evo sans l'utiliser. Je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas. Il est très rentable, ouais. Très rentable. Alors apparemment il y aura freeplay Baiku contre Joey Gashi. Joey Gashi en attendant que les joueurs arrivent. Ouais ouais. Ça va permettre de voir un peu. Par contre je sais plus qui joue. Alors, Baiku je crois il joue Baiku c'est le joueur de Venom que t'as vu juste tout à l'heure. Et Joey Gashi c'est un joueur de chip. Et c'est apparemment c'est deux anciens. Un grand René. Je l'avais déjà vu sur les genre World Game Cup. Ouais. Je me bouffe peut-être. C'est pas juste, il fait partie de la famille. Donc, je me souviens même. C'est pour ça qu'il est très fort. Je sais qu'on voit Counter, mais c'est un documentaire qui date de 2008. Ouais, non. Il a eu un très bon sensei, on va dire. Peut-être de 2010, mais ils avaient fait les footage en 2005 et en 2008. Quand il veut, ouais. Quand il est pas trop salé. Non, il était dans un parking. Allez, c'est parti. Ça se... Triplé là, apparemment. Tout de suite là. Triplé, hein, pour rappeler. Web. Venom, Phil qui va jouer cheap. Voilà, petit shot trouvé avec le petit combo. Petite mise au sol. Voilà, bien joué avec la faultless pour s'échapper. Il se fait retoucher par le 6H. Voilà, 6P qui passe dans le vent. Petite mise au sol de Venom, bien joué devant derrière. C'est assez difficile à garder. Bien joué, il ne veut pas se faire embrouiller du tout le Venom. Dès qu'il y a un trou, il y a une réponse. Il a mis le RC pendant qu'il était encore en bourrer la garde à l'adversaire et dès qu'il a ouvert, boum. En fait, il faut savoir que les Grecs RC RRC ralentissent le temps et sont invincibles les premières frames. Donc, il y a aussi un super freeze dans les wild. Voilà, donc si vous freezez l'adversaire, vous gagnez quelques frames par rapport à lui et vous pouvez le contrer en fait. En gros le YRC donne un super freeze de la même manière que n'importe quel super que vous voyez. En fait, on peut punir des temps morts juste en faisant YRC dans le mine.
presque le principe de punir des temps morts. Voilà, c'est assez cruel. Hein. Tout le jeu, tout le système de RC est basé sur ah, t'es en train de faire quelque chose, et eh ben je te bloque ta. C'est quelque chose qui était timing. C'est quelque chose qui était pas du tout exploité au début du jeu. Ouais. Et ça a mis énormément de temps à vraiment rentrer. Au début de Guilty Gear. Non, de Xrn. De Xrn. Le fait de punir les temps morts comme ça, c'était pas du tout exploité. Et ça a mis du temps parce que c'est assez technique à maîtriser. Parce que de base, le Super Freeze était juste là pour dire tu as fait le YRC, c'était pas là pour être utilisé. Il a pas été designé pour être utilisé. Mais a priori, on utilise. A la fois pour contrôler des coups. Et aussi pour punir les temps morts. La définition même des jeux de baston, tu vois. C'est quelque chose qui n'a pas été prévu, les joueurs l'utilisent. Voilà, c'est ça. Les joueurs l'utilisent et le rendent. Et le rendent que le YRC annule les inputs de l'adversaire. Donc si vous faites un YRC sur la relevée de l'adversaire et qu'il a fait un dragon, il ne va pas sortir le dragon. Il risque de pas sortir. À moins qu'il court comme un sangouin. Mais... Est-ce qu'il peut bufferiser un dragon pendant le Super Freeze? Bah en fait là ça va être vraiment question de timing. C'est une question de timing. Le buffer est assez grand. Ça va pas sortir comme une espèce de reversal, non? C'est pas une espèce de reversal. C'est pas un reversal du tout. Ça peut sortir en reversal, mais là c'est une question de timing. Le truc c'est que s'il bufferise un dragon, pendant la relevée, il sort en reversal. Il y a un reversal dans le jeu. Normalement, le YRC. Il annule. Le YRC, c'est annulé. J'annule un dragon Je vois que le mec est au sol et je l'annule parce que je sais qu'il va dragon, tu vois. Je sais qu'il va dragon. J'ai le pouvoir psychique qui dit qu'il va dragon et il va dragon. Et après, rien n'empêche au joueur de refaire dragon, mais en général, c'est très difficile. C'est très très difficile. Je vois mal un chip Alpha Blade. YRC Alpha Blade encore. Je vois mal. Bah... Ah ouais. C'est ouais chaud. C'est bête, j'aurais bien aimé de voir en free play aussi. Aïe, ça fait mal ça. Petit combo très très stylé de chip dans cette version. Ouais. Avec les... Stylé mais c'est cheap. Il monte sur les murs. Alors le truc c'est que j'allais dire il fait pas spécialement mal mais il vient de retirer 64% de la barre. Donc c'est guilty. Il a une vie normale. Il a une vie normale. Ouais. Il est pas dans les secondes de meilleure vie mais. J'ai mal vu, mais il n'y a pas eu de reset hein, de la part du. Bon, non, mais Chip, il fait très mal, hein. Il n'y a pas de soucis. C'était pas un très mal. C'était pas un reset. C'était pas un reset. Tout dépend du starter en fait. Si il tape avec un gros coup des deux bases, ça peut faire très mal. Ouais. Et le damage reduce, il marche normalement, je veux dire, comme dans tout jeu de baston où il y a des spécificités. Alors, plus tu es en fin de vie et moins tu arraches. Et il y a la barre de risque aussi. Donc, souvent, le premier combo il fait toujours assez mal. Et la fin de vie, voilà, à partir de là, on va dire du 3/4, ça fait plus très mal. La fin de la barre de vie, c'est quelque chose comme 30% de la barre de vie. C'est ça, alors c'est... Alors que voilà. Ça ne prend en physique que 15%. Ouais, c'est une histoire comme ça de visuel, mais... Ouais. C'est-à-dire que quand t'as des combos qui a beaucoup de hits, c'est bien des persos qui ont des combos comme ça qui peuvent vraiment finir des persos plus facilement que d'autres en fait. C'est pour ça qu'au niveau de la barre, je préfère les visuels de Sign. Et toutes les Fury Multi-Hits aussi, ouais. Du coup, sont très intéressantes pour terminer un mec, pour le coup. Oh là là. La Danger Time. J'en parlais tout à l'heure, je trouve que ce mode là, cancer. La Danger Time qui a été un petit peu modifié par rapport à l'ancienne version. Raconte parce que je connais. Alors il arrive moins fréquemment. D'accord, donc ils ont baissé la fréquence des randoms. D'accord. Mais bien utiliser le danger, c'est très très cruel. Parce que franchement, est-ce qu'on peut bien utiliser le danger? On peut très bien l'utiliser. Bien sûr, on peut l'utiliser. Bah, on peut utiliser tellement de choses dans Guilty que ça m'étonnerait même pas, tu vois. On peut l'optimiser vraiment avec des combos spécialement danger, etc. Donc c'est très. Un joueur qui a le réflexe. C'est ça le truc, non mais attention, on est en train de parler des joueurs comme Maguet, tu vois. Ben des joueurs de fausse de manière générale qui arrivent à convertir chacune des nouveaux objets qu'il va avoir. Un bon faust, c'est ça. Un bon faust, il sait quelle conversion à faire après un shrapnel, il sait quelle conversion à faire après une bombe, ça, voilà. etc. Après un poids. Donc après un là, c'est du free play. Ça peut du free play de qualité quand même, faut bien le dire. Ça vend du rêve avec des ninjas, avec des joueurs de billard. Avec des joueurs de billard. Des mecs qui font des formations d'e-boule. Des mecs qui crament les bursts. Des mecs qui crament les bursts comme Tom, qui ont envie de cramer les bursts. C'est ça. Ils ont plus. Ouais, c'est vrai, ils ont plus. C'est strictement pour rien. Ça sert, ouais, ça sert. Ça sert à pas mourir. Là, il a la furie, attention, il est très très bien en plus. Ils ont plus rien. La furie. Voilà, il y avait un homme qui va sur tout l'écran là. Voilà. En mode Spider-Man là.
Ouais, ouais, ouais. C'est ça, qui fait super mal. Voilà. Oui, il a un burst particulier dans le sens où il est invisible quand il burst. Et il retombe invisible, donc c'est un peu chiant à timer. Alors, prochain match, on va enchaîner. Merci Arctal. Arctal. Merci. Au passage, je passe. Et si je sais que tu passes. Merci à toi. Mec, si je sais que tu passes au visage, je vais passer au visage plus souvent. Tu t'y mettras aussi. Si je sais que tu passes. C'est un joueur de. Enfin, c'est un commentaire et joueur de Killer Instinct. Killer Instinct. J'ai aucun avis sur un Killer Instinct, tu sais. J'ai aucun avis sur ce jeu. Tu sais ce que ça veut dire, ça. Hein. Je tu sais ce que ça veut dire. Ok, on sait ce que ça veut dire, ça. Hein. Attention. Je n'ai aucun avis sur ce jeu. Aucun. Je ne parlerai pas plus de ce jeu. Pour être poli. D'accord. Oh non, n'essaie pas de vendre. Ouais, j'ai joué sur Super Nintendo en fait. C'était un excellent jeu à l'époque. Mais la licence n'est plus. C'est pas faux. Ça a changé, mais c'est pas. Ça a changé. J'ai touché au jeu, mais bon. Il y a quelques années. Mais en tout cas, j'ai pas acheté d'Xbox pour le jeu, ça c'est sûr. Ouais. Personne n'achèterait une Xbox One juste pour. Si, il y en a qui l'ont fait, mais. Ben ouais, mais on donnera pas le nom, On donnera pas le nom. C'est normal. Genre de guilty. C'est vrai qu'il y a eu 18 patchs depuis, donc. C'est vrai. Plus que des patchs. C'est plus du tout le même jeu. Bref. Alors, à quand le prochain tournoi Killer Instinct ici? La dernière fois qu'ils ont fait un tournoi Killer Instinct. À quand le prochain tournoi Killer Instinct? Ah, très bien, très bien. Dimanche où ça? Dimanche c'est où? Online. Tournoi online. C'est KGC. Ouais. Très bien. Ah oui, pour Cannes. Donc s'il y a des amateurs de Killer Instinct. Non. La Killer Instinct World Cup, c'est aux États-Unis. Ah, aux États-Unis. La coupe. Ouais, comme pour Capcom Pro Tour en fait. D'accord, ok. Qui est géré par Warner, quelque chose comme ça, non? Non, qui est géré par Microsoft. Warner, c'est. Warner, c'est Kill. Injustice et Mortal Kombat, Vegas. C'est vrai. Ok. Donc pas mal de choses qui se présentent bien pour Killer Instinct. Ouais. Ok. Il y a des joueurs, voilà. Il est sur PC. Il y a des joueurs de Killer Instinct, c'est tout ce qu'il faut savoir. Exact. Tu veux t'installer sur canapé? Je vais passer le micro. Ah ouais, c'est à toi de jouer. Alors, ça va être à Camo de jouer dans un instant. Il arrive, mais il arrive genre maintenant, s'il te plaît. Genre maintenant, tout de suite, quoi. Il est là, voilà. Apparemment, on aura Saul contre. On va jouer neutral. Vive le neutral. Bon, bah, on va jouer vampire, hein, apparemment. Comment ? On va jouer vampire contre. Vampire contre monstre. Attends, non, mais Saul, c'est pas un monstre. Non. Bah non, non. Dans l'histoire, si. L'histoire, c'est un gear, mais bref. Ouais, mais l'histoire de Guilty Gear. Qui est allé lire l'histoire de Guilty Gear? Alors, mais... j'ai suivi l'histoire de Guilty Gear. Alors, elle est perchée. Hein. Ouais, elle est perchée. T'es à 42. Moi, c'est-à-dire que. Oh l'histoire de Guilty Gear, j'ai l'air de 42. j'ai récupéré l'artbook qui était fourni en collector soi-disant. Ça suffit. Il y a deux pages. Le jeu est beau, point. Et rien que le début, les quelques premières lignes, tu te dis, mais dans quoi je m'aventure? À quoi bon vais-je lire ça? On est en 2000 et on a abandonné la technologie. Maintenant, c'est la magie qui prend en compte. Ouais, en fait, c'est Final Fantasy VI, quoi. En fait, non, ce n'est pas Dawed, son pseudo. Redonne-nous ton pseudo, s'il te plaît. Le pseudo de Dawed. Ton pseudo? Junior Léo. Junior Léo. Junior Léo. Junior Léo contre Camo. En 2P. Contre Camo en 1P. C'est Camo au-dessus, ouais. Que je sais pas, il y a un espèce de fiefé bâtard qui sait pas écrire. Ah. Et quand on le relit,
Et ben, les gens ils voient des O c'est à comme, la place des A. C'est comme Boïkou. Hein? Ça c'est pas de mon fait. Hein. Là je nie complètement. Ouais, forcément. À la fin, alors off, je crois, on va faire des feuilles pour s'inscrire comme à la sécu, tu sais, avec les petites cases. Comme ça, il n'y aura pas d'embrouille. Bien, alors A. Voilà, avec le nombre de caractères maximal. T'as dépassé, ça compte pas. T'avais pas la bonne couleur de stylo. Éliminé. Mets 12 euros. Va boire ta bière et rentre chez toi. Numéro 12, s'il vous plaît. Numéro 12. La sécurité sociale à la rentrée. Ils sont tous les deux en technico. Sans deck. Hein. Sans deck. C'est étrange comment. C'est étrange. Verra-t-on un top Jap ou n'importe quel pays qui jouerait en stylish, qui trouverait une arnaque complètement pétée, un truc tellement easy à faire que. C'est que les stylish font 75% de dégâts. Oui. Mais. Apparemment selon qui? Selon Camo. Le mec. Oh éliminé. Et voilà, il ne joue pas. Je donne le micro à Baïkou. Le Venom me parle. Le Venom. T'aimes bien ce perso? Tu vas aimer ce player. Hein, je sais que ce player c'est beaucoup de neutral. C'est énormément de neutral. Ah, excuse-moi. Il dit souvent que le matchup c'est pour Venom, mais bon. Slayer, voilà ça. Ouais, ce coup là. Il est affreux. Il a une range. Juste, il était considéré comme nul avant le patch. Ouais, avant le patch. Et après, qu'est-ce qui s'est passé à la pro 03? Bah, en fait, je crois qu'il a gagné un yellow RC et des buffs de tension. Mais, mais pour moi, il a jamais été nul. Hein. Ouais. C'est. Jean-Léo, oui, il joue seul. Il joue seul, d'ailleurs, c'est Camo. Ouais. Bah, ouais, c'est et il y a un espace entre Junior et Léo, je crois. Donc ouais, donc là pour l'instant, wow. Ouais. Non mais c'est bon, ouais, il est safe osé. Après. C'est osé. C'est osé, mais ça mange. Oh là là. Allez, t'as appuyé sur un bouton. Ouais, c'est ça. Non, mais faut savoir que, comme le joue Camo, hein, ouais. C'est, Slayer, c'est un perso qui fonce. Ouais. Faut pas reculer avec Slayer. Faut foncer. Slayer. Et une fois que t'as touché la personne, bah, tu lui enlèves la moitié de la barre. La chose, c'est que c'est considéré comme un des persos les plus basés sur le neutral de Guilty, ouais, si je me trompe déjà, pas. Ouais. Donc faut lire l'adversaire, faut vraiment pouvoir, faut punir ces choses. C'est ça. Un peu Potem aussi, hein. Potem est beaucoup basé sur le neutral. Ah, Potem il est pas mal, hein. Il est bien. Hein. Je trouve ça beau, mais je trouve que dans le jeu, franchement, ils ont bien équilibré. Hein. Tous les persos. Même avant la 0.03. Ouais. Bon, on l'a déplanté. Comme un plus léger de baston. Ouais, Soul et sa pression en l'air. Hein. Yeah. Ouais. Il joue très bien. Bon, malheureusement, il fait pas ses combos. Il mâche un peu là. Ouais. Ça, c'est. Oh, c'est bien ça. Adversé, voilà, normal. Les flats devant derrière de Steyr. Ah. Oh là là là. Il aurait fait dragon, il aurait gagné. Besties for life. Best friend forever. Ouais, forcément, le stomp. Ah non mais. La marque de tous les Slayers. Ouais, regarde, quand tu regardes Slayer, regarde à quel moment il se protège. Il n'y en a pas. Il n'a pas besoin de se protéger. Il a un super backdash. C'est un backdash ou c'est un coup spécial d'ailleurs? C'est une spéciale. Il slide en arrière. Ça a pas l'air d'être un super match-up non plus. Ça a pas l'air d'être un super match-up. Pour Slayer, je parle. Non, parce que Sol est encore plus. Sol doit être plus encore dans la tronche de l'adversaire. Ouais, c'est ça, voilà. Ah bon? Sol, il fonce parce qu'il a pas mal de coups frame trap et prioritaire. Ouais. Mais bon, c'est normal plus que ses coups spéciaux. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est quand l'adversaire a peur. D'accord. Parce que quand t'as un adversaire qui tape, même s'il est en négatif, tu vois, ça, c'est plus chiant. Ouais. C'était osé. Tu vois? Osé. Non, parce que le mec va bourrer derrière. Donc, Tu vas automatiquement instant guard. Ouais. Voilà. Oh, ça a même pas voulu se faire. Ah ouais, mettre la spéciale et ça. Ça va très 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 vite. C'est déjà fini. Et contre Venom, ça va aller. J'ai un Junior Léo quand même.
GG à Léo. C'est en deux. FT2, on est en quoi là? Ah, il a envie de dormir. Ah, c'est pas faux. Ouais. Sérieusement? Ok. Il y a que la finale qui va être restée fort, même pas la finale. Même pas? Non, on fait la en deux si tu veux. Oh, ouais, c'est en 3. Hein. Ouais, si on sacrifie le loser, c'est quoi final loser pour, c'est ça pour la mettre en, c'est quoi la mettre en deux. Le tournament, on a changé de logiciel, monsieur. Ouais, là on a Baïkou contre, contre Junior Léo. Junior Léo qui arrive. Ouais, Junior Léo qui arrive en. Qui arrive. Final loser. Ouais. D'accord. Junior Léo qui arrive Baïkou. Sol, Venom, très intéressant. Match. Sauf, ouais, sauf Venom. Il dit comment le match-up? Alors c'est. Ouais, c'est assez équilibré. On n'en voit pas souvent, donc les gens connaissent pas forcément. Mais qu'est-ce que Sol doit faire? Venom doit faire. Sol, il a des outils pour passer sous les boules, par exemple le Grand Viper. Je sais qu'il a pas mal ou passer de au-dessus cancel, des boules. Pas mal de jump cancel aussi. Il a des jump cancel, voilà. Après, une fois que le Venom il est acculé, c'est difficile. Par contre. Faut pas le laisser respirer en fait, voilà, c'est ça. Faut laisser respirer personne. C'est chaud. Mais il a quand même un dragon pour s'en sortir. Ouais. Voilà, il a de la mobilité, c'est vraiment pas. Poser un mini. Après, ça reste difficile. Mais... Boule, en fait. Bon, après, s'il met pas la garde là-dessus, c'est. Ouais, ouais. Ah, c'est là, les combos stylés de Baïkou. Ouais. Les combos qui arrachent. Hein. C'est ça. Ah, là, c'est une exécution. Qu'est-ce que c'est beau. Il est beau ce jeu. Il est beau ce jeu. Ce jeu est beau, les gens. Le jeu est très beau. Ce jeu est beau. Pour votre santé. Pour votre santé et manger 5 fruits et Guilty Gear par jour. Vous savez que quand vous êtes bon à Guilty, vous pouvez ramasser des tasses qui tombent des tables sans problème. Ouais, ouais, ouais. Vous avez des réflexes exceptionnels après. Hein. C'est stun. Petit combo, oula, ah. Le petit clash. Franchement, si la récontine son combo, je sentais le stun. Cramé, hein. Finition shop, c'est sympa. Putain, il est beau ce petite mise au sol. Mais il est invincible au début. Il est invincible, oui, il est invincible. Petit dragon ou pas? Il avait une deuxième boule derrière en fait. Le dragon qui s'est fait casser. Oh, bien joué ça. Il lançait une première boule, il lançait une deuxième boule. Il avait pas ce qu'il a voulu faire là. Ouais. Ouais. Là, il était. Malheureusement, ce genre de Kizem ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous entendez pas les vannes, putain. Voilà, petit 4 hits trouvé. Petite mise au sol avec le gunframe. Voilà le burst qui n'est pas sorti. Bien joué de la part de Dawid. Qui a bien décalé. Il a essayé de caler devant là, non? Oh, c'est devant derrière. Devant. Voilà, il burst derrière, pas, devant, pas, il craque pas. Voilà, il a voulu faire un grand Viper et il a fait un dragon. Et il a refait un grand Viper. Ouais, ouais. Il est sorti cette fois-ci. Il savait qu'il allait hit donc il petit a. Petit combo stylé qui sert à rien. Il a bourré la petite mise au sol. Il a joué la formation pour le faire sauter et pour le punir. Voilà, un round à 0 pour Baïkou qui maîtrise son sujet pour l'instant. Dragon complètement piffé, on sait pas pourquoi. Voilà, c'est une erreur d'exécution, ça m'étonnerait pas. Voilà, petit combo trouvé, le bad dust qui passe. Ça existe oh là pas là. Normalement, ces petits autisèmes, faut faire attention, il va se faire choper. Le Fafnir qui passe pas mais qui est positif donc c'est pas grave. Ah, oh, match up qui passe pas. Il a voulu choper là non? Il a voulu choper, il était trop loin, ouais trop loin. Et Venom il a un petit sprite alors c'est un peu chiant à le choper aussi. 2-0, net et sans bavure. Baïkou qui accède à la grande finale. On va voir la finale qui était pas du tout. Donc c'est la grande finale. Cette fameuse finale dont on disait non mais c'est pas évident. C'est pas aussi évident que ça, non? Non, absolument pas. Absolument pas. C'est pas ce que je me suis dit quand j'ai pris leur inscription. Hein. Honnêtement. Quand j'ai vu se pointer, je me suis dit non, avec ça, on tira pas des finalistes. Attention. Et finalement, l'avenir m'a menti. Attention, parce qu'il y avait Joe. Il y avait Joe. Alors, je veux pas manquer de respect à Joe parce trop que tard. C'est un ancien. Trop tard. Mais dès trop qu'on tard. L'évoque, il y en a déjà trop plus. Trop tard. Tu connais la règle. Stop. Moi, je me suis dit la chose suivante, c'est que Kungstor se fait tellement mal tailler ces derniers temps. Joe, bon, il est retraité un peu, hein, on l'apprécie, le gars il met à l'infini, il n'y a pas de souci.
Mais je me suis dit, voilà, il est ouais. venu en dilettante, il est venu se détendre. J'aime bien le « Oh, c'est un type sympa, mais voilà. » Non, mais moi aussi, je suis un type sympa, mais c'est pas pour autant que ça fait de moi une brute. C'est pas faux. C'est pas faux. Bon, donc là, on commente absolument pas le match. Un Slayer contre un Venom. Voilà, le genre la finale d'Andy. Et la finale setup, la finale, on reste dans le coin. Et la finale, on sait faire les combos. Sur les streams japonais dégueulasses qu'on n'arrive jamais à lire le nom des joueurs, et bah là on les voit, ils savent ce qu'ils font, et ils parlent notre langue et on peut leur poser des questions après, mais faut venir parce que c'est sympa, hein. C'est l'eau, c'est position de loin, je pensais même pas qu'il allait avoir la range. Il a réussi à confirmer en plus. Voilà, et il l'a bien embrouillé, mais ça a bourré le coup. Je sais pas s'il a fait K, juste K, ou s'il a fait KHS et puis après des. Qui n'ont juste aucun sens, mais qui fonctionne. Oh, c'est bien, moi. C'était propre, mais même juste demander où il partait. C'est pour ça qu'il l'a lâché, à mon avis. Il l'a pas chargé à fond pour zéro, là. Où est-ce qu'il va? Mix screen, tranquille. Ouais. C'est un peu Slayer. T'as balancé une boule, c'est unsafe. Oh, bonjour. C'est un peu son Fafnir, quoi. Ça ressemble pas vraiment à Fafnir. Je crois pas. Ouais. Et bien, la boue. La boue qui frappe pendant le step dans ses pieds. Installe son jeu, finalement. Ouais. Ça y est, il ne laissera pas respirer. Reste. Et non, mais il a laissé un trou pour une boule. Pas mal de persos sont bien en dans le coin, mais même Slayer est bien en mid-screen. En fait. Il est bien quand tu restes en mid-screen parce qu'il peut te vortex à la fin. Et là, c'est dans le coin. Et là, c'est combo stylé. Et là, c'est setup stylé aussi. Et là, c'est la grappe au sol. Il lui a mangé la tête, quoi. Et il veut pas s'arrêter. Il y en a non, plus. Non, arrête de lécher. Ah, tu vois la petite boule qui fait encore peur là, ici. Non, mais elle peut frapper à tout moment. Il peut taper dedans. Ah, il pouvait pas taper dedans, mais Slayer était quand même obligé de sauter. À un moment donné, il faut bien lâcher la garde pour essayer de se tirer de là, hein, parce que ça s'en fait de roussi. C'était rustique ça, hein. C'était osé quand même. Parce que n'importe quel step aurait puni ça. Mais c'est le genre de jeu très rapide où t'es obligé de faire un choix. Ouais, un choix rapide. Si tu peux pas en plein milieu de ton action dire bon bah en fait je vais mettre la garde, non. Non mais ça je suis allé, Fréon, le mec s'est dit je vais pas mettre step, le gars va pas mettre step, donc je vais bourrer. Il a dit je fais tapis et il met tapis, même si ça lui prend X input avant de finir. Ouais. Voilà. Les perfects ne veulent pas dire grand chose dans ulti. On peut très bien se faire. On pourrait être un très bon joueur et se faire setup à l'infini dans un seul round. Et surtout. Sur un perso comme Venom, quoi, qui a énormément de setup, énormément d'Okizeme. Ouais, enfin. Pas plus ça que. Ça révèle quand même un certain niveau de maîtrise du personnage. Quoi. Sans déconner. On n'a pas un sac non plus. Non, je crois pas. Non. Moi, j'en suis même plutôt persuadé. Ouais, à mon avis. Mais bon, on va arrêter de passer la pommade, on va passer cette attaque. Non, parce qu'il faut juste la rage, en fait, pour savoir. Ces mecs-là en plus sont des vies, tu sais, à côté. Non, ce que j'aime bien aussi, c'est que ça va vite. Même si t'as FT3, on sait que ça va se conclure assez rapidement. Ça essaye des embrouilles pas très légites et ça se fait défoncer. Voilà. Et ça, pendant que ça se mange le combo, ça explique à l'autre que t'as raté le truc. T'étais nul, gros. Ça, c'est la phase que tu fais quand tu ne sais absolument pas jouer et que le gars te bourre à l'infini. Tu fais non, mais là tu fais pas bien, j'ai vu la vidéo sur YouTube. Oh là là. Trop tard. C'est déjà sur YouTube, c'est fini. Ça va être uploadé demain. Ah là, c'est même plus sur YouTube, c'est en live sur Twitch. C'est pire encore. Ça gratte pas tant que ça. Hein. Il a voulu faute. Je sais pas si la faute laisse, j'ai pas vu si la faute laisse ou pas. Je crois que oui. Hein. S'il te plaît. Bon. Eh bien, on arrive c'est, au bout, cette punition de l'eau, je l'ai vu. Ouais. C'est la troisième fois que je la vois dans le match. Je crois que c'est le match-up. J'ai l'impression que Slayer reste énormément debout. En plus, Baiku sait que c'est pas un type qui aime beaucoup garder. Il aime pas attendre. C'est pas comme si Kamo aimait attendre. Tu peux ne pas aimer attendre et quand même mettre la garde, quoi. C'est pas faux. Voilà. Et je savais même pas que ça. Il y a tellement de stun que ça combo. Il y a tellement de stun dans le coin que ça combo. Ça respecte quand même énormément la zone de Venom et ça a essayé de convertir. Si ça avait converti là, ça aurait tué. Le YRC pour tromper la punition de l'adversaire. Parce qu'il voulait quand même jump in en étant safe, c'était la YRC juste avant. Ce qui est agréable à voir, c'est qu'en fait, c'est que les joueurs se connaissent, mais pas tant que ça. Le burst gardé, continuellement de s'embrouiller. Le burst gardé, hein. Yeah.
ce jeu. C'est parti. Ah non, quand même, c'est pas... Ouais, ça c'est une phase aussi, pas spécialement vue de Slayer, etc. En tout cas, Camo, qui était beaucoup connu par pas mal de Slayer. Le Death. C'est le premier Death depuis un bout de temps. Hein. Air Death, en plus. Non, non, il était au sol. Bah, non, mais... Dust, il a lancé le gars en l'air. Ah, en fait. Oui, oui. Et il a pas fait Run Dust comme le nouveau Dust. Non, non. Je pensais que la plupart des Run Dust étaient plus garantis pour la plupart des personnes. Peut-être qu'il ne le connaît pas, peut-être qu'il est plus à l'aise avec celui-ci. Il y a juste que je ne connais pas chez Venom. Et c'est aussi une nouvelle chose, hein, les Run Dust. Hein. Beaucoup de joueurs n'ont pas encore maîtrisé ça. Hein. Bah, ça m'étonnerait de Baïkou, mais quand même. Tu veux pas les normales, tu prendras les spéciales. Ouais. Ah. Là, la phase de Hilo qui était gardée. Et la punition qui apparemment. Il lui a fait une bande dans le fion. Mais ça a tué quand même. Ah, ça l'a tué lui. Il y a eu trade. Il y a eu trade pendant son step. Pendant son step et ça a tué lui. Il a pas essayé d'instant guard celui-là alors qu'il l'a vu un peu venir. Enfin, j'ai pas vu s'il avait instant guard ou pas. Ouais, j'aime bien aussi le principe de Venom qui est de mettre en l'air le gars avec ses boules et de remettre au sol avec sa clé de billard. Et le lot juste pour dire que tu t'es relevé, c'est pas grave. Je vais quand même te frapper. Je te laisse là pour essayer de moins gratter parce qu'il n'y a pas beaucoup de vie. Il y a peut-être possibilité de comeback. Mais, hein, les commandes grab ratées. J'ai pas compris le commande grab qui était aussi loin. Il a bien temporisé. Ouais. Peut-être dû garantir le fait qu'il était dans le coin, mais. C'est passé à côté. Dommage. Le slide. Le slide osé. Le slide vu par le saut de Baïkou. Ouais, donc là ça confirme après une punition des boules. Ah, dommage pour le Durst. Dommage pour le Durst. On la garde, et là c'est max. Et là c'est max. 3%. Où est-ce que je suis devant, derrière? Ah, grande grappe. Voilà, dans le coin, l'endroit préféré de Venom. L'endroit où il aime briller. Et tu retournes dans le coin. Je t'ai jamais autorisé à bouger du coin. Tu retournes dans le coin. J'ai pas pris la voiture, voilà. J'ai envie de rentrer là. J'en ai marre. En plus, le dernier métro c'est dans 2 heures, alors là ça me saoule. Voilà. Ben, en fait, le truc c'est que Venom a dominé tout ce round là. Et quand même, Slayer, c'est le neutral de Slayer. Ça contre les boules le step. J'ai l'impression que l'une des boules de billard a disparu dans le step. J'ai l'impression que c'est un projectile, non? Projectile, hein. Je suis pas sûr de ce que je dis, hein, mais ça a l'air d'être un projectile. Je vais demander à Baïkou, je vais demander à Camo après, parce que c'est lui qui doit aller percer. On va demander aux joueurs. On va demander aux joueurs pendant qu'ils sont en train de faire la finale. Non, on va demander après la finale parce qu'on a du respect pour les joueurs. Ouais, c'est fini. Mais toutes ces positions où il essaie de sauter, il essaie de entier. Ouais, j'ai pu voir la pote de conversion, mais je pensais pas qu'il pouvait convertir là parce qu'il était trop loin ou quelque chose dans le noir. Mais ouais. La boule pour entrer directement dans le jeu. Qui doit reset en fait? C'est Baïkou qui doit reset. Ouais, donc Baïkou doit reset. Baïkou, il a un avantage pour reset. S'il gagne ce round là, il va reset. Et il y a Vermin qui va gueuler parce qu'il pourra pas rentrer plus tôt. Non, non, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Je suis obligé d'aller chercher ma bière. Oh là là. Tu ne runs pas. T'as essayé. J'aime bien l'anticipation du slide. Et le mec met une boule. Et il met une boule pour anticiper le slide. Reset. Il est pas content. Je ne suis absolument pas content de ce qui vient de se passer. Il est pas content. Ça, voilà. Ça mais Baïkou rigole. Baïkou se marre. Baïkou, la prochaine fois, Baïkou se marre. Parce qu'il sait qu'il pourra faire plus de matchs. C'est ça. Non, mais au moins, il aura rentabilisé. Il aura rentabilisé, voilà. Il aura rentabilisé son truc. En plus, il aura un petit cash-price à côté. Ça fait toujours du bien. Oh là là, c'est beurre.
Faute de conversion là pour Baïkou. Cette animation, l'animation, ça fait carrément des choses dans les airs dans son jump cage. Je crois que c'est son jump cage ou son jump edge. Les duels des dandies. Il essaie de just là apparemment. Là il a just là. Ouais. Il savait qu'il allait se relever, il charge la boue et il le tue. De toute façon, s'il avait gardé, ça aurait gratté et il aurait continué à faire boule et il aurait tué. Ça va loin ça. Ils sont tous à essayer de se percer sur des devants derrière de l'impossible. Aussi, non mais c'est deux persos qui ont beaucoup de devants derrière et apparemment le je sais pas si c'est le S ou le HS de. C'est peut-être le phares de Venom qui va loin hein, quand même. Là, ça, ça va loin. Oh, ça pêche un peu fou. En plus, dès que l'enfant, c'est l'outil. Et ça OTG là. Après une balle. 1-0 pour Baïkou, mais il va reset et il va peut-être gagner. Hein. J'ai l'impression qu'il a un peu dans sa tête là, hein. il sait quoi faire. Bah, écoute, maintenant t'arrêtes, faut que j'aille me coucher. Le truc c'est que s'il arrête, Camo revient. Et le match durera encore plus longtemps. J'en ai rien à faire, au moins on pourra poser le micro et rentrer. Il y en a marre, c'est fini. Ah là là, je vais être de loin. Regarde, même le public il en peut plus. Ah, le public il est concentré, monsieur. Il est concentré sur le match. Il n'en peut plus. Il y a Sam qui te regarde en disant mais qu'est-ce que tu dis là. J'invente des mots. Là, le malentendu, il est déjà là. Hein. Donc, il se demande derrière là. Il s'est remis dans le coin après. Mais ouais. Ça va loin, voilà. En moins de 6 secondes, t'as 50% de la barque à sauter. Guilty Gear. Là, je pensais que tu connaissais ce jeu, c'est vrai que tu l'avais acheté et tout. J'ai payé. Tu l'as payé? J'ai payé, je l'ai mis à jour. Ouais. Apparemment, on a 10 sur ta console. En plus, ouais. Que je n'ai pas payé. Tu l'as pas payé? Bah oui. On se refait pas. Oh, c'était osé. Non, en fait, j'ai même pas appris la move list. En fait. Mais il est très joli, hein. Le jeu est joli. Il est très très joli comme jeu. Mais t'as pas encore eu les move list? C'est la première chose à faire quand on achète un jeu. Faire quoi? De lire la move list? Apparemment. Mais oui, mais ils la mettent plus maintenant dans le jeu. Enfin, ils la mettent que dans le jeu. Ouais. Et j'aimais trop mes notices sur Super NES quand j'étais gamin. Ouais, c'était bien à l'époque. En fait, tu comprenais rien de ce qu'il y avait écrit, mais la move list, tu la retenais en un instant. Au moins, t'avais l'histoire. En général. Tu n'avais pas. Aucun intérêt. C'est pas grave, t'avais l'histoire quand même. Maintenant, avec l'âge, en fait, j'ai du mal à retenir la move list. C'est. Voilà. On se plaint toujours de l'âge. Hein. Toujours, mais c'est l'excuse facile. On se plaint tellement de l'âge qu'on regarde même plus le match. Alors, c'est mal écouté. C'est pas bien. C'est très mal. Non, mais t'as j'ai eu raison, mais c'était très mal. Le. Ah putain. Le... Ça reste un duel au sommet. Non, c'est. Y a pas d'embrouille. C'est serré, hein. Oui, c'est bien serré. Pour ça qu'il y a eu reset. Bien pour ça qu'il y a eu reset. Et je sais pas qui a éliminé Baïkou. Qui a éliminé Baïkou? Bah, Camo. Ça pouvait être logique. C'est Camo. Il est dans le coin pendant. Voilà. Run punch. Run punch qui tue les 20 derniers pourcents qu'il avait qui restait de vie. Je sais pas si. Non, Venom est censé avoir une vie normale. Hein. Ouais. Venom est censé avoir une vie normale. Dans la moyenne. Une vie moyenne. Il téléporte ou quoi là? Oui, c'est moi qui arrive. Il téléporte grâce aux boules. Ah! Pour rejoindre n'importe quelle boule que je suis prise dans le décor. Il a échangé en fait sa place avec l'autre personne. Exactement. Ok. Il me semble que c'est que la dernière. D'accord. J'apprends les trucs pour jouer. Encore. C'est ça. Donc ça se foutait de ma gueule au niveau de mais tu l'as acheté le jeu, mais il y en a qui le dosent. J'ai mais... même pas le jeu. Évidemment que je peux me permettre de te foutre ta gueule parce que ça s'appelle de l'ironie, monsieur. D'accord, ok. Et oui. T'es venu doser le jeu à la maison. Ouais. T'as essayé de m'apprendre des trucs. Ouais, alors je t'ai appris. Je t'ai appris comment ne pas manger un Ika. J'avoue que t'as utilisé YouTube. J'ai balancé des petites dosis YouTube. Mon dieu. Oh, c'est triste de dire ça. Ah, c'est triste. Ah, c'était un run grave. Il y a plus de vie. Ouais, bah. Ils sont justement au bout de leur vie et il l'a rattrapé, mais propre. Non, il a été patient. Du profil de il a été patient parce qu'il a essayé d'être ambigu au maximum
avec le YRC, avec le fait de changer vous de gars. Vous verriez Baïkou en train de me faire une face de Justin Wong. Il y a des gifs à faire. Hein. Je te regarde. Never give up. Je voulais dire. Là je l'ai vexé, il a perdu 10 points de concentration. Pauvre. Il me fait des phases avec le sourcil. Là ça mange. Hein. Ouais ça mange. Ouais. Ça mange et ça fait mal. Ah bah c'est un bon 40%. Un seul hit. Calmez-vous monsieur Steyer. Ah, le burst est élu. C'était bien, bien fait, il a été complètement lu. Il a été lu. Il a été lu parce que le gars connaît par cœur le joueur. Et Blockstream à l'infini. Oh, ça peut revenir. Ça peut revenir, Camo peut revenir. Camo peut tuer là. Hein. Il peut tuer là parce qu'il a pas. Il use le burst dès qu'il l'a. À la seconde, il l'avait, il l'a usé. Oh là là, elle est partie trop vite dans ta bouche celle-ci. 2-1 pour Baïkou. 2-1 pour Baïkou et la prochaine si. Il remporte la mise. Oh, ça commence le truc sans les finir. Je sais pas si on peut convertir après le slide de l'Oster. Eh bien, si tu ne sais pas. Je ne sais pas, je vais demander à un joueur après. Tu vas demander. Eh oui. Mais en attendant, tu le ramènes pas trop. Oh, tout de suite. Et oui, tout de suite, oui, tout à fait. Il est pas magnifique ce combo. Ouais. De toute façon. Il est limite combo façon, vidéo là. C'est ça que j'aime bien en fait dans Gulti, c'est que. T'es obligé d'improviser à un moment ou à un autre. Donc même si t'es un peu en automate sur certains de tes combos, t'es obligé quand même de dire ouais, le gars peut drop, le gars peut tomber parce que le poids est différent. Aussi tous les persos ont des points différents. Donc les combos doivent être différents pour fonctionner les persos. Genre on fera pas le même perso en face d'une Inno, en face d'un Potemkin par exemple. On fera pas les filles de la même manière. Ils sont pas mal de la même manière surtout. Aussi. Tu vois, toutes ces boules, je sais même pas si c'est prévu ou s'il les a fait en anticipation ou autre, mais pendant l'animation de Slayer, pendant le moment où il pouvait lancer quelque chose, il lance quelque chose là, et là il y a une boule qui arrive de Venom. C'est bon, j'ai l'impression que Baïkou mange Camo, mais j'ai pas envie de dire ça, mais parce que c'est Camo en face, tu vois. Et il arrive à rentrer des trucs comme ça et il perd 30% à chaque fois, tu vois. Non mais là dis-toi que ça fait bien une demi-heure qu'ils jouent l'un contre l'autre. Mais oui. Les gars, ils sont plus à se demander ce qu'ils doivent faire. Ouais ils je pense, font. Ils le font. Bon alors il reste du monde mais pendant une fraction de seconde. C'est aussi ça Gulti, c'est énormément de réflexions, mais des réflexions qui font énormément rapide. Ah il faut qu'il tue. Voilà là. Et là c'est la gagnance. GG Baïkou. GG! Applaudissements de la salle! Pas trop fort. Pas trop fort, il faut pas réveiller les voisins. Bon bah, Gulti Gear. Bon, bah, en espérant que ça vous ait plu. C'était sympa. Je peux dire quelque chose? Ouais. Je veux dire quelque chose, ça m'a plu. Ça t'a plu? Ouais. C'est cool. Ouais, c'était cool. Alors, bah, écoute, la petite question au champion, enfin, de la soirée. Joie à Gulti! Ouais! Ça fait un très bon point. Ouais, j'avoue. Franchement. Tu connaissais vraiment le match-up à fond. Ouais, non, mais. Tu connais le gars par cœur. Ouais. Camo et moi, on joue depuis. Ça fait 10 ans qu'on joue. C'était des partenaires de dose ou. C'était quoi? Des partenaires de dose ou. Ouais, c'est régulièrement. On est une petite communauté ouais. D'anciens. C'est Camo, Kyungster qui est parti dans Street. Alors, Camo, Kyungster, Joe Yashi, Ben. Quand t'es sponsor, tu te casses. Oro, ah oui, faut chercher l'argent. et Nuage, ouais, c'est vrai. Nuage qui est là. Nuage. Donc. En fait, voilà, c'est une petite équipe, vous pouvez retrouver sur YouTube. On a fait des tournois en 2006, 2007, 2004. Les anciens. On était tous ensemble, 10 on voyageait, on allait en avion. Donc, du coup, on se connaît. 10 piges. 10 piges de Gulti. Ouais, voilà. Donc. 10 voilà. Piges de Gulti depuis là, Révélateur. J'ai dû jouer le match-up, malheureusement. Et j'avais pas le choix. Ouais. Il faut. Ouais, il faut surtout quand on a un perso comme Venom, quoi. Ouais, Venom, c'est, en fait, c'est un des persos que je vois. Il y a énormément de caractères spécifiques, énormément de match-up spécifiques à apprendre. Exactement. Ouais. C'est un des persos les plus techniques, en fait. En fait, je dois apprendre un combo sur chaque personne. Oui. En sachant que je dois savoir où se placent mes boules à chaque fois. Voilà. Ça, c'est pas facile. Les boules n'ont pas un setup aléatoire. En fait, non. Une fois que tu summones une boule, ça change l'ordre. Ouais. Donc, faut apprendre toutes les variantes, en fait, si tu veux vraiment jouer Venom. Donc, un certain placement est bien pour certains persos. Genre, certains placements bien pour les persos légers, d'autres pour les persos lourds. Ouais, exactement. Bah, quoi qu'il en soit, merci de représenter Gulti quand même.
à la ROF. Hein, super boulot de la ROF. Merci. Super à vous, boulot hein. de la ROF. Si je... ouais, ça fait super plaisir. Ouais. Et GG. Voilà. Hein. Bah, on essaiera et. Ouais, donc forcément, il y a moins de monde. Voilà, d'accord. Bon, on va essayer. De toute façon, moi, dans mes sessions que je fais tous les week-ends, j'essaie de dire aux gens. Voilà, dès qu'il y a des tournois sur Paris, il faut vraiment venir. Il y a Nastarov sur le chat qui dit un jour, tu jouerai comme eux. Ah. Un jour. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, j'invite tous les débutants à la maison. Il n'y a pas de souci, hein. Venez. Hein. C'est on vous. C'est à Aulnay. Il n'y a pas de souci. On est là, on prend un poste. Mais c'est sur mes couilles, il faut que je passe. Il faut que je passe au moins une fois. Il faut que je passe avec ma Inno. Vous m'acceptez sur Facebook. Après, on passe à la maison, on mange pizza. Aïe, aïe, aïe. Ça va trop bien. C'est ça. Ah, il y a tout. Le Morphée. Le truc, ouais. Non, mais en tout cas, ouais, félicitations à la ROF. Merci beaucoup. On a essayé de venir. Non, mais super boulot à la ROF. Et c'est super de soutenir les jeux comme Guilty. Et ouais. Bon, il y a eu d'autres jeux après à côté. Mais Guilty Gear, surtout. Oh putain. Donc, bon, voilà. Bah, ça va remballer. Hein. Ouais. Ça va remballer. Ah, merci encore. Ouais. Ah, bravo à Baïkou. Hein. Bravo à Baïkou. Oh, c'était pas serré, mais bon. Ouais, tu pensais vraiment que c'était pas serré? J'ai vu des phases hein, quand même. Ah, mais c'est très difficile pour Slayer ce match-up. C'est un de ses pires match-up. Parce que la zone, de manière générale, hein, ils zonent beaucoup en fait. Non, tous les persos qui ont des projectiles, ouais, déjà, c'est la merde. Et puis, Baïkou, il connaît très bien le Versus, donc c'est ouais, encore plus dur. Ouais. Ouais. Donc bravo à lui. Non, je t'ai sorti beaucoup dans le coin, pas mal de fois. Enfin, t'es sorti aussi normalement du coin avec le. En fait, je peux pas sortir du coin contre Venom parce que il a trop de projectiles. Alors que sur d'autres persos, c'est plus facile. Question que je me suis posée pendant le match, le stomp, c'est un projectile ou pas? Non. 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 C'est pas un projectile. D'accord. Mais je l'ai vu bouffer une boule en fait. La boule a disparu. Normalement, non. Mais peut-être, je me souviens pas, mais c'est pas un projectile en tout cas. Je sais pas où il est parti. Ou alors je l'ai mal vu, mais. Ah, merci en tout cas pour ce soir. Ouais. Les anciens, ça les anciens. Merci beaucoup. Bah ça va remballer. Hein. Et je vais me casser moi. Donc voilà. Aussi. Il y avait. Merde. C'était un peu tout le peuple qu'on avait ici ce soir. Vous pouvez dire au revoir si vous avez envie. Vous êtes sur le stream là les gars. Voilà. Non. Non. Vous. Les gars, attrapez-le. Attrapez-le. Baïonnez-le. Bon bah on vous, sur ça, on vous souhaite une bonne soirée. Il y a trop de joueurs à cette 15 jours au reset pour du Street 5. Bouh. Alors c'est pas comme ça à la gare de Rio. T'as mal vu le poster. Rise up. Et donc en septembre il y aura a priori encore un event Guilty Gear et on espère vous y voir. Je serai là en tout cas, hein, Guilty Gear. À la régie mon Julien, merci. Julien, respect. On va couper ici je pense. On va couper. Ouais. Au cas où, c'était chaf. Hein. Au cas où. Au cas où. Au cas où. Au cas où. Merci. Merci, merci au commentateur qui a pas trop bu cette fois. Merci, merci d'avoir filé un micro. J'aime bien parler. Je sais que t'aimes bien parler. Tu parles plus que moi. Parler, c'est cool. Tu m'as saoulé ce soir. Non, mais parler, c'est cool. Le silence ici, c'est bien. Donc fais-nous fermer nos gueules. Comme ça. Tu peux fermer le stream. On ferme. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.